Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est en direct pour vous présenter un nouveau projet qu'on a avec donc Viviane et Laura. Donc je vais les chercher, je vais les inviter pour qu'on qui nous tient à cœur et qui s'est présenté à nous. On va voir alors déjà comment ça fonctionne. Qui c'est que j'ai? Hop, j'ai Viviane. Alors déjà ça c'est cool. Tu me vois là du coup? Pas du tout. Je te vois nickel. Ok. Bon bah écoute, c'est déjà ça. Et Allez. Laura. Oh. Nickel. Ça marche? Tu me Bon. vois Laura ou pas? Tu la vois toi, Mais Viviane? moi je vois tout le monde moi. Bah, moi, je vois pas. Je vois Viviane, mais je vois pas Marie. Mais je me sens moins seule qu'hier, parce que hier, je voyais ni l'une ni l'autre. Donc là, au moins, je vois déjà Viviane. C'est déjà ça. Oh bordel. Bon, écoute, voilà. En tout cas, ça fonctionne. On est toutes les trois réunies, en tout cas, ce soir, pour vous présenter donc un nouveau projet Salut. qui sera différent, mais en tout cas complémentaire aussi des animaux alliés qu'on vous a présentés pour ceux qui étaient là hier soir. Et pour ceux voilà qui nous suivent et qui me suivent aussi depuis un moment, il y a beaucoup de freestyle dans nos manières de procéder. Mais ça nous a toujours mené loin, ça nous a toujours mené dans des univers et dans des chemins méga chouettes. Et du coup, pour tout vous dire, ça s'est construit il y a quelques jours. Voilà. Quelques jours, il y a quelques jours, voilà, on savait plus ou moins qu'il y avait un truc qui se tramait, mais on n'avait pas encore mis des mots dessus. Et on a compris, mais il y a seulement quelques jours, qu'on allait pouvoir vous proposer vraiment une autre chose. Et pour moi, c'est vraiment la continuité. En tout cas, c'est très logique, en fait, de vous proposer voilà, cette nouvelle chose, en tout cas, qui arrive, et surtout comment dire, en partenariat, ou du moins de le faire ça à trois. Et je vais vraiment vous expliquer pourquoi. Au niveau des animaux alliés, on est vraiment sur une introspection. On vient visiter, se connaître, en tout cas, visiter nos énergies et vraiment des choses qui nous appartiennent. Et là, on avait envie déjà d'aller plus loin parce que je pense qu'on a expérimenté ce qu'on devait expérimenter et qu'aujourd'hui, il y a d'autres choses qui s'ouvrent à nous pour pouvoir justement vous emmener sur des sphères et sur des choses bah, plus loin. C'est pour ça que les animaux, en tout cas des 13 lunes, s'est présenté à nous. Et voilà, on va aller plus loin et de manière différente, de manière en tout cas beaucoup plus collective. Et ça peut aussi justement être quelque chose qui va se suivre durant toute l'année. Donc si vous avez en tout cas déjà à peu près aperçu, tiens, animaux, 13 lunes, à quoi en tout cas on va pouvoir, comment dire, visiter sous ce format-là, qu'est-ce qui peut éventuellement y avoir, etc. Et bah déjà, c'est pas pour rien qu'on se retrouve ce soir en live, ça aurait pu être demain soir aussi. Mais on va aussi avoir justement cet appui sur les 13 lunes. Et pour ceux qui ont fait l'année dernière avec moi les 13 mers originelles, on a visité justement donc 13 parts de nous à travers le féminin sacré. Et là, je trouve qu'on va aller visiter pareil sur des cycles et sur des cycles lunaires. Et c'est pas pour rien qu'on va le faire aussi par cycle. Et dans ces cycles, il va se passer beaucoup de choses. Donc le lancement en tout cas déjà se fait ce soir et que c'était pas pour rien parce que c'est à partir de demain que sera la nouvelle lune et on va vous proposer donc plusieurs choses, en tout cas deux choses principaux si on peut dire ça comme ça, qui va se produire justement durant chaque mois et qu'on va vous proposer. Je vais laisser la main à Laura qui va un petit peu vous expliquer comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se dérouler dans cette phase, on va dire, de chaque cycle lunaire? Et pourquoi on a choisi ça? Alors pourquoi la Lune? Moi j'avais beaucoup aimé les 13 mers originelles que vous avez proposées l'année dernière justement pour parler un petit peu des énergies, présenter des jolies choses de mes lunes. Et là on a eu envie de faire ça pour accompagner d'une manière un peu différente des animaux alliés, parce que les animaux alliés du coup on est parti sur quelque chose de différent comme on l'expliquait hier. Donc là on veut maintenir ce lien.
constant avec vous parce que vous nous faites vibrer. Et après la Lune, parce que voilà, les cycles lunaires ont un impact très important sur nous, petits êtres humains. Et aussi parce que on va explorer quelque chose de général dans un premier temps avec la nouvelle Lune. Donc là, c'est la nouvelle Lune, si je dis pas de bêtises, dans la nuit, là, de jeudi à vendredi. Et on va explorer du coup les énergies vont se présenter, on va vous faire une sorte de guidance un petit peu avec les énergies du cycle lunaire qui arrive, qui commence. En live sur, potentiellement en live sur Instagram, on va encore mettre ça au point, mais voilà, vous aurez une forme de guidance du cycle lunaire. Et dans un deuxième temps, à la pleine lune, il y aura un soin beaucoup plus individuel dans le sens où on vous emmènera en transe, ce sera un voyage sur Zoom. Où on vous emmènera en transe pour vous faire vivre les énergies de cette lune avec un animal qui se présentera à vous. Donc on est avec les lunes, on est avec les animaux. Je m'occupe de, avec ma voix de vous guider et Marie et Viviane seront là pour vous encadrer énergétiquement. Et il y a aussi quelque chose qui se rajoute pour le live Instagram. C'est qu'on vous présentera une création de Méline qui sera en accord avec le cycle lunaire. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout dit? Tu as bien résumé, en tout cas. La grande idée, c'est donc pour ceux qui ont suivi déjà les 13 mai originels, on aime en tout cas, comme je vous disais, beaucoup de freestyle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on traverse et qu'on vit au moment T et qu'on vit avec vous et qu'on ose en fait le faire avec beaucoup de vulnérabilité et beaucoup de bah voilà, de simplicité. Et on a trouvé ça chouette en tout cas de pouvoir faire ça avec vous sur les 13 lunes. Donc à chaque nouvelle lune, on va aller venir voir bah, qu'est-ce qui nous attend en fait au final durant ce cycle. On va aller se connecter à cette lune, à certainement à un esprit, parce qu'on reste quand même beaucoup dans le monde animal ou dans les esprits des animaux. Qu'est-ce qui va se matérialiser ou se concrétiser? À quoi on va aller se connecter? Qu'est-ce qu'on va aller venir visiter en fait durant ce mois de bah là, donc par exemple pour ce mois de septembre et ce soir. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu envie donc d'inviter Méline, pour ceux qui la connaissent pas, et on vous la fera en tout cas soit découvrir ou redécouvrir un petit peu plus tard dans la soirée, où elle a aussi cette canalisation, mais elle le fait beaucoup à travers des créations. Et souvent, on s'est rendu compte que on canalisait les mêmes choses, mais on les vivait de manière différente. Et c'est pour ça que à la nouvelle lune, à chaque fois, ce qu'on va vous proposer, c'est on va emmener Viviane parce que Viviane est capable de le faire, d'aller se connecter justement avec ces énergies qui arrivent et qu'est-ce qui nous attend entre guillemets dans ce cycle lunaire. Et un petit peu plus tard, donc il y a Méline qui présentera une création de pareil, qu'est-ce qu'elle est venue, en tout cas, qu'est-ce qu'elle commence à traverser durant ce mois de septembre. Et on va souvent voir que, même sans le vouloir, parce que je vous assure qu'il n'y a pas de triche, qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qui se rassemblent et qui se rejoignent. Donc c'est vraiment le but en tout cas de nos lives, c'est de vous aider à déjà mieux comprendre ce qu'on est en train de traverser parce qu'on le vit tous, là pour le coup, on va le traverser ensemble. Quel message et qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on doit entendre. Et les soirs pleine lune, on vous emmène aussi avec nous dans quelque chose de beaucoup plus individuel et où vous puissiez vraiment recevoir votre message que vous avez besoin. Il y aura toujours la même trame parce qu'on traverse les mêmes choses, mais en traversant ces mêmes choses, il y a aussi des messages que vous devez entendre ou même des animaux qui peuvent vous accompagner durant ce cycle-là et qu'on va venir découvrir. Mais là, ça sera vraiment sur un format, donc sur Zoom, pour qu'on puisse vraiment vous accompagner, en tout cas dans une meilleure qualité qu'on peut proposer, en tout cas sur Instagram. Donc, c'est vraiment notre envie, c'est vraiment notre idée. Et il y aura, voilà, suivant les cycles, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Mais je vois déjà là ce qu'on commence entre guillemets à traverser et j'avoue que ça va déjà être fort sympathique. Ça va dépoter. Comment ça va, Viviane? Eh ben ça Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Viviane? Ben, moi je voulais juste préciser par rapport à notre programme sur les animaux alliés où c'est vraiment un soin.
des chakras, quelque chose qui vient éclairer et porter un soin sur nos chakras, sur vraiment sur nous-mêmes. Là, ça va être plutôt un accompagnement sur les énergies du moment, comment on les traverse et comment on peut quels sont nos leviers, qu'est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on va venir chercher dans cette période. Et c'est vrai que même s'il y a toujours une énergie collective, quelque chose qui est global dans ce qui est traversé à chaque cycle lunaire, ça vient quand même toucher tous dans notre individualité. Et c'est vrai que c'est important de voir cet aspect général de base qu'on voit qu'on traverse un peu quand même tous ces grands courants, et de voir aussi comment ça nous touche personnellement. C'est vraiment deux choses complètement, je dirais, liées et complémentaires, quoi. Vous voyez, ajouter. Pour venir s'approprier Donc c'est un bal accompagnement. et vas-y. C'est un bal accompagnement pour traverser les énergies, les périodes qu'on traverse, qui sont quand même assez intenses, on va dire, depuis quelques temps. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer un accompagnement pour justement venir mieux comprendre, venir aussi recevoir des fois aussi des soins de par nos équipes de lumière à travers ces voyages que propose Laura, qui sont quand même des voyages assez, je ne vais pas dire le mot puissant, mais c'est profond en fait. Donc, c'est quelque chose qui vraiment touche à différents aspects, différentes profondeurs. Vous pourrez Ça avec va être cool. la rencontre de l'animal, de la lune, du cycle lunaire, vous pourrez aller vous connecter vraiment à ces énergies et vous les approprier pour pas qu'elles vous défoncent la gueule, mais au contraire pour que elles soient plus douces, plus cool avec vous, que vous les compreniez. Voilà. Oui, on comprend pourquoi vous faites défoncer la gueule Voilà, aussi. c'est ça. Comme dirait Méline, ça permet de mettre vraiment de la conscience en fait sur ce qu'on traverse. Et qu'on est, on est un peu tous dans le même panier, entre guillemets, sur des choses collectives. Et je trouve en ce moment, en tout cas, ce qui manque, c'est des rassemblements, c'est-à-dire et un fil conducteur. C'est aussi, en tout cas, moi, ce que je vis et ce que j'apprécie beaucoup à travers mon travail aussi avec vous. Que ça soit par ma formation, que ça soit par d'autres biais. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que lors du cursus des animaux alliés, c'est vraiment ça aussi qui nous fait du bien et qui nous tient. Et on trouve ça en tout cas important parce que on vous connaît. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, derrière ces écrans-là, qu'on connaît et qu'on est très contente, en tout cas, d'accompagner et de soutenir et d'aider. Et je trouve que c'est un beau moyen, en tout cas, de qu'on puisse œuvrer, qu'on puisse aussi construire des choses ensemble et créer des espaces aussi de partage. Ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, aussi qui nous tient à cœur, parce que malgré la distance, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est encore plus chouette, en tout cas, quand on peut le traverser de manière collective. J'avais mes petites. Ah oui, complètement, mais l'un et l'autre. On est des êtres sociaux qui ont besoin de s'identifier à un groupe et d'échanger. Ça fait partie. Sur des mêmes choses, sur des choses qu'on a traversées aussi durant et qu'on peut traverser durant ce cycle, et c'est très très riche. C'est vraiment très très riche. Donc, comme le soulève un petit peu Méline, nous, les 13 mères originelles, c'est vraiment quelque chose déjà d'une qui m'a aidé à comprendre le féminin sacré, parce que tout le monde en parlait, je ne savais pas ce que c'était. Et là, j'ai l'impression qu'on vient aussi. Alors moi, je suis pas de l'astrologie, je suis pas toutes ces choses-là qui peuvent vite être très complexes. Et en fait, je veux vraiment apporter de la simplicité sur qu'est-ce qu'on traverse. Et comme je disais aux filles, moi, ce que j'aime en tout cas chez les animaux, c'est que c'est quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'ils sont physiquement là. Bon, il y a des animaux un petit peu plus, on va dire, fantastiques et imaginaires qui ont certainement existé d'une certaine forme,
Mais en tout cas, on peut quand même se rattacher à quelque chose de terrestre. Et un outil qui peut être super intéressant pour qu'on puisse tout simplement comprendre et que ça soit beaucoup plus palpable. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais en tout cas, que ça soit concret, que ça soit là, que ça soit pas quelque chose de perché, inaccessible, voilà, que ça reste en tout cas des informations qui peuvent être simples à recevoir. Parce que des fois, c'est un peu vague, je trouve, sans ça, sans les animaux. Trouve que c'est un bel outil et c'est un outil qui reste en tout cas, c'est des êtres qui sont purs, qu'on croise aussi dans notre quotidien et qui sont vraiment là pour nous apporter des beaux messages. Donc ouais, c'était vraiment un beau plaisir en tout cas de vous apporter et de vous proposer en tout cas de vous proposer ça en tout cas pour cette année. Ouais, ça va être chouette. Ça va être chouette. Viviane, t'es Merci. prête? Allez. Allez! Je dis, moi, j'ai déjà ma petite idée, mais on va voir. J'adore. Va voir ce qui vient. On va voir ce qui vient. Alors, Viviane, je te laisse penser à ta respiration et quand tu le sens, tu vas faire ton ancrage à la terre et au ciel. Tu me dis quand c'est OK. C'est bon. Impeccable. Non, je te laisse faire ta bulle de protection, Viviane. Tu me dis quand c'est bon. Alors maintenant, je t'invite à te téléporter dans une dimension très particulière où il y aura de manière très importante les énergies de tout ce cycle lunaire, de tout ce que cette lune va apporter. Et dans cette dimension, tu vas aussi trouver un animal, celui qui va apporter un message pour la totalité des personnes sur Terre qui auront cette empreinte de ces énergies lunaires-là. Et tu me dis quand tu es dans cette dimension très particulière à cet événement, à ce cycle lunaire. Je suis, c'est-à-dire dans les nuages, face à la lune, on peut dire, à Qu'est-ce côté de qu'elle t'évoque? moi, j'ai un chat, mais je pense qu'il est avec moi. Pardon. Ah oui, c'est pas ça. Parce qu'en regardant dans la même direction, donc je savais bien que c'était un pote. Enfin. Ah oui, ça arrive en face. C'est très blanc, très lumineux. Je vois comme des branchages. Je sais pas si c'est des rames ou si c'est des toiles. Très distinct. Ça met du temps. Prends le temps. Prends le temps. Il y a toutes les informations, tous les détails. Alors ça se présente sous la forme d'un tableau, enfin d'une scène. C'est-à-dire où on voit, je vois comme un chevreuil ou un, ouais, c'est pas vraiment un cerf, une biche, il n'y a pas beaucoup de cornes, qui regarde en l'air et qui voit de manière surprise et un peu interloquée, comme si le soleil s'était
morcelé, craquelé. Y a des... J'ai là, ça me fait comme si en fait il y avait une modification ou une perte de repère ou dans l'idée de qu'on est ébranlé dans quelque chose de dans un de nos piliers. Quelque chose qui nous bouscule, Une déstabilisation. Oui, déstabilisé, merci, c'est le bon mot. Je sens déstabilisé. T'as l'impression que ça joue vraiment sur notre ancrage, c'est encore autre chose. Sur notre ancrage parce que je vois qu'on est un peu chancelant et de ce que j'ai l'impression c'est que c'est plutôt quelque chose d'inattendu donc j'ai l'impression que je me moi le l'animal je le vois qui se sent chancelant et qui est un peu surpris. Et qu'après, je vois qu'il a une forme d'observation de la situation, enfin de cet événement déstabilisant. Et il y a une forme de décision qui doit être prise ou de chemin, ou voilà, il va falloir s'adapter. Faire un choix. Ouais. S'adapter, modifier quelque chose, réajuster. Et il y a besoin d'un peu de temps pour essayer de voir, je vois qu'il observe, qu'il essaye de voir l'ampleur des choses, d'essayer de comprendre, de voilà, d'ajuster au mieux. De devoir poser un peu les choses pour un peu Ouais. comme analyser pour pouvoir prendre la décision la plus juste. Il y a une Okay. nécessité de laisser poser les choses et de laisser et de regarder un petit peu, d'analyser, de voir. Ne pas foncer tête baissée. Et je vois que en faisant ça, il y a comme des choses qui se dessinent toutes seules et que ça se clarifie. Mais c'est quand même, on va dire, ça touche. Enfin, c'est pas superficiel quoi. C'est quand même un gros morceau quoi. Donc quelque chose qui va venir déstabiliser l'ensemble, on va dire, de la population. Va falloir pas réagir à chaud. La tête qui gonfle. C'est bizarre. Ah, laisser porter. Laisser porter. Garder une sorte de foi, une sorte de confiance. Oui, une forme de foi et de feu et de hauteur, je dirais. De détachement, une forme de détachement. Oui, une forme de détachement. Il est important de rester loin, de prendre du recul par rapport à la situation, de ne pas trop s'identifier ou rester collé sur le nœud du problème, de prendre du recul. Le détachement, c'est important. Et laisser le temps, justement, de prendre une décision, mais avec du recul. Donc pas s'attarder, pas s'accrocher en fait au problème. OK. C'est pour ça que ça m'a été montré sous forme d'un tableau. Un tableau qu'on regarde. C'est comme si on n'était pas acteur de cette scène. Même si on en est acteur, mais on le regarde sous forme d'un tableau avec du recul. Et est-ce que tu peux juste revenir sur, pardon, sur cette notion de soleil qui se, je sais plus le terme que tu as utilisé, qui part un peu en morceaux? Ouais, il est comme tout craquelé. Ouais. Quelque chose, c'est en fait, je dis le soleil, mais il n'est pas jaune, mais ça a une forme de soleil.
C'est dans le ciel et c'est tout craquelé. Donc ça me fait penser au soleil. Ok, mais t'es Mais pas soleil. C'est un sais pas astre. trop ce que ça peut être. Ouais. Et Est-ce que ça puis. représente des croyances ou des façons de faire de la société ou comment je pourrais dire? Dans le soleil, et c'est plus dans le dans l'idée de pilier de quelque chose qui est quelque chose qui nous sécurise, quelque chose qui sur lesquels on s'appuie, ou un repère, une paire de repères, je dirais, ou déstabiliser dans ses repères. Un repère, c'est un bon mot. Ok. Et donc c'est la, ouais, c'est la biche alors qui s'est présentée à toi ou est-ce qu'il y a d'autres présences, mis à part le chat? Non, je pense que c'est la biche, ouais. Après, je vois le cerf, mais je vois souvent le cerf, moi, donc plus mon allié d'observation. Moi, c'est rigolo. Dès que tu étais là-haut, moi, j'ai vu pareil un espèce de... Alors, pour moi, ce n'est pas un cerf, parce que c'est un petit cerf, avec des toutes C'est petites... petit, un Tu vois, d'accord, c'est tout. voilà, des toutes petites cornes. Et en fait, j'ai eu une vision très claire et c'est passé très vite. En fait, je l'ai vu avec une torche, en tout cas avec un espèce de flambeau à la main, avancer assez sereinement, mais très calmement, dans un espèce de couloir, mais hyper sombre. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à, il y a un côté très organisationnel, préparation, préparatif à cette traversée, en fait, en hiver. Et j'ai un côté, où il est quand même assez... Si c'est entre guillemets bien préparé, j'ai l'impression que ça peut être long, mais que ça peut être assez, assez simple, entre guillemets. Il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression d'une préparation sur les mois qui arrivent, mais vraiment dans cette entrée en hiver. Moi, je l'ai vraiment vu très, comment dire, comme si j'avais besoin d'une visibilité jusqu'à la fin de l'année et que j'essaie dans un espèce d'élan organisationnel, prévisionnel, je sais pas comment on peut dire ça, mais comme si j'avais besoin d'une vision jusqu'à cette traversée de fin d'année. Et c'est là où vraiment il m'a montré, en gros, qu'il y avait cette allée qui était pas très visible, qui donnait pas forcément très très envie d'y aller, mais que lui y allait sereinement, en tout cas, avec un flambeau. Il y avait vraiment l'élément du feu conducteur et du feu qui éclaire, mais juste qui a besoin d'être éclairé. Tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a, il n'y a pas besoin tant que cette vision, en tout cas, est OK. Et j'ai vraiment l'impression que il m'engouffre, en tout cas, là-dedans et que je suis lancée. C'est pour ça que c'est rigolo parce qu'il y a un petit peu ce mélange d'énergie de printemps et en même temps, ça n'en est pas. C'est un petit peu le de toute façon, on est lancé, on va y aller, mais il y a un côté très prépare-toi. Parce que la traversée va être comme ça. Et en gros, sois prêt, mais tu as besoin quand même d'avoir déjà ton point rouge de où tu vas arriver. Et le reste, ça va se défaire tout seul. Mais j'ai l'impression que voilà, qu'il y a une espèce de prévision qui doit s'organiser sur les mois qui arrivent. Je ne sais pas si ça te parle, ça. Ben ouais, moi ça me parle dans le sens que moi une fois que j'ai vu cette déstabilisation, je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais ce côté perte de repère, j'ai vu le temps que ça prenait de s'organiser, de voir comment aborder les choses, et après je l'ai vu s'engager sur un chemin un petit peu sinueux. Donc j'ai pas vu la torche par contre, mais j'ai vu ce côté de c'est bon, je peux y aller quoi. Donc c'est bien similaire à ce que Oui, tu et as ton feu, ressenti. toi, était très représentatif par le soleil. C'est un petit peu, bah là, mais pas là. Enfin voilà, il y a quand même un côté, je trouve, Complètement, c'était rigolo. qui se rapproche. Est-ce qu'il y a une notion
de se guider avec une lumière plus proche que nous qu'une lumière qui prétend être quelque chose. Comme ce soleil que tu as vu craquer, mais qui n'est pas forcément le soleil non plus, mais en même temps, il est déstabilisant parce que du coup, bah, il craquelle, non? En tout cas, Peut-être. pour moi, en effet, je pense que ça va rejoindre Viviane, c'est vraiment le feu intérieur. Là, pour moi, c'est ton alignement de ton être. On est sur ta verticalité, là, pour le coup. Et une fois que tu as Ok. ça, bah ouais. Prendre son pouvoir intérieur. Parce que moi, je voyais vraiment le côté perte de repère, t'es déstabilisé. Et en fait, tu dois retrouver la ressource en toi pour aller cheminer, en fait. Alors, Marie, elle voit direct le flambeau, elle. Direct, elle est dans son pouvoir intérieur, elle. Tu sais, je le voyais un petit peu se dandiner comme ça, et puis tout, 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 tout. Bon, il part pas au grand galop, tu vois, tu sens que bon. Hein. Mais t'inquiète, il y a de la lumière, il y a juste ce que tu dois voir, mais t'inquiète, comment dire, l'objectif, il est là-bas. Ok, bon, alors on y va. Parce qu'après, il y a beaucoup de sérénité hein, dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que dans la première partie, c'est pas de la panique, mais c'est plus de la surprise, plus du merde. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce bordel? Ça fait un peu ça quand même. Un Bah, on côté n'est surprise. pas en début d'année, on n'est pas en printemps, et pourtant, voilà, j'ai l'impression qu'il y a pas du challenge, je dirais pas ça, mais en tout cas, un gros, gros côté préparatif, c'est rigolo. Mais c'est vrai que ça va être préparatif, mais en fait, c'est pas préparatif pour hiberner, hein. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Non. C'est préparatif pour Non. je sais pas quoi, mais en gros, ça va swinguer, quoi. Voilà. Je note, ça va swinguer. Parce que là, quand on me dit tout ça, tu vois, les regards, c'est plus vous allez voir. Ah oui, moi je vois que ses fesses et je vois sa petite queue, hein, donc il me regarde même pas. En mode, allez. C'est Bon, rigolo. bah ça va être chouette d'inviter Méline pour Complètement. voir qu'est-ce qu'elle a à nous présenter, qu'est-ce qu'elle a eu. Envie de manière instinctive, dis-nous juste un petit coucou, mais je pense que t'es par là, Méline, ouais, de ce qu'elle a à nous présenter. Tu nous dis en tout cas si t'es par là et si t'es prête, tu m'envoies juste un, ou tu peux m'envoyer aussi une invitation quand c'est ok pour toi, Méline. Ça peut être chouette aussi. Donc voilà, j'attends que tu sois ok, mais peut être méga cool. Ça annonce bien déjà. Qu'est-ce qu'on va prendre? Suspense. Alors, sinon, je vais essayer de l'inviter. On va voir ce que ça donne. Faut juste pas qu'on lance toutes les deux une invitation. Elle est prête. Elle est prête. Ouais. Méline, Méline, Méline. Attendez, j'arrive. Attends. J'ai plus l'habitude. Ça fait longtemps que je suis pas là. Que je suis pas venue là. Ça va revenir vite, J'imagine. t'inquiète pas. Bon, j'espère Deux. que on est prête. Moi, je suis prête. Allez, J'attends. on t'écoute. Lieu, Vas-y. c'est prêt. C'est chouette de revenir et de refaire un peu déjà ce concept des 13 mères, mais la version, le level up des 13 mères. Avec votre version des animaux alliés. Donc c'est cool. Ça faisait longtemps que ça me titillait de vouloir faire ça, de vouloir proposer des créations avec les animaux alliés. Et bah, la semaine dernière, quand on a discuté, bah, on a trouvé la solution, enfin ce concept-là. Donc c'est très récent que ça s'est fait. Et moi, cette fois, j'ai eu l'envie de vous présenter un tambour. C'est Ouais. une de comment dire, est-ce que je... Oui, je peux dire que c'est une de nos nouveautés de faire des tambours et de les proposer à la vente directement. Et j'ai choisi celui-là. J'en avais plusieurs et c'est celui-là qui est venu avec moi. C'est un petit tambour en bois de noyer et peau de chevreuil.
Pareil. Donc, je rigole toute seule depuis tout à l'heure. rigole. Je vois pas pourquoi. Non, pas du tout. Du coup, c'est ce petit tambour que j'ai fait il y a 3 semaines, peut-être un peu plus maintenant. Donc, il est né il y a quelques temps avec sa maillotche. Donc, pareil, bois de noyer, OK. du cuir de mouton, c'est ce qu'on a le plus. À l'intérieur, c'est des poils de mon ânesse. Et comment je peux appeler ça? La poignée. Un froufrou, une poignée en peau de lapin. Merci. Ah, putain. OK. Et j'ai oublié de vous montrer, je ne sais pas si on verra sur la vidéo, Ouais, pas une top niveau paire qualitatif, mais pas des belles photos. d'amazonites. Je posterai les photos ce soir ou demain du tambour et de la maillotche, comme ça on les verra mieux. Je voulais vous le faire chanter avant de vous présenter l'énergie enfin, qui m'a traversée quand je l'ai créée. Après, je ne suis pas sûre que le son soit suffisamment qualitatif pour l'entendre correctement, parce que je me rends compte que là, comme ça, en vidéo, on n'entend pas vraiment les tambours comme ils sonnent réellement. Mais je le fais quand même, parce que ça peut donner une énergie. J'ai bien senti le tu vois le truc qui se disloque un petit peu là du soleil que tu disais, Viviane, justement. Ouais, il y a un côté, tu sais, regard par tes pieds et après, lève tes yeux. Mais il y a vraiment ce côté-là. D'abord, c'est là et après, Ouais, c'est là-bas. c'est ça. D'abord, c'est là et après, c'est là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Qu'est-ce que toi, tu as vécu dans la création de ce tambour? Et Marion demande si tu lui as déjà donné un nom à ce tambour. Alors non, je lui ai pas donné de nom. Et pour moi, ce serait futur gardien de lui trouver le nom. J'ai pas forcément l'envie de nommer les tambours. Si ça me vient, je le ferai. Mais celui-là, je laisserai à son gardien le choix du nom du tambour. Alors comment ça s'est déroulé? Donc on a choisi on voulait faire un petit tambour parce qu'on avait trois tambours dans les 3 autres tailles différentes. Et on a dit, bah, tant qu'à faire, on va en faire un quatrième et puis dans la taille qu'on n'a pas encore fait. Donc ce serait un petit. On avait juste une peau de chevreuil. Moi, je voulais faire un tambour en peau de chevreuil. On en avait une, on pouvait rentrer juste un petit. Donc j'ai choisi celui-là. Juste pour des contraintes techniques, parce que ça, on en rentre un petit, donc je vais faire un petit chapelet. On a travaillé la peau, coupé, fait les trous, choisi le tressage. Je voulais faire un tressage en croix et essayer de tisser quelque chose que j'avais jamais essayé. Je voulais essayer d'innover, de trouver quelque chose d'autre pour faire l'arrière du tambour. Donc le travail de la peau, on les a mis trempés elle a trempé avec 2 autres peaux de vache, les 2 autres tambours qu'on a fait en même temps. Celui-là est né en Cadrage. même temps qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait penser au cadrage, le tu vois, avec ces deux, enfin avec la vache en tout cas, moi tout de suite j'ai vu en mode je suis là, c'est ok. Tu vois, il y a vraiment ce côté ok. Et ce tambour, je l'ai fait en même temps qu'Anaëlle a fait celui en peau de vache. Donc, on était en même temps sur nos tambours. J'ai commencé à tresser, à tendre. Donc, les filles, vous savez ce que c'est. J'ai commencé à tendre. Et dès que j'ai mis un peu de pression, de tension
que je passe tous les fils et ensuite je viens mettre de la tension. J'ai une partie un peu plus fine qui a cassé, donc la peau a craqué. Il est où le trou? Il est là. Ici, on voit, ou je sais pas si vous verrez bien, mais la peau a craqué. Et du coup, bah, j'ai dû tout défaire, parce que dans tous les cas, je pouvais pas retirer sur cette partie cassée, fragilisée. Donc j'ai dû tout défaire, repercer la peau pour remonter le tambour. Donc ce côté, ce que Viviane, tu disais, quelque chose de déstabilisant, quelque chose de... Pour moi, c'est ça. C'est... On est sur le socle. On est sur la toiture. Ouais. Il y a quelque chose qui casse, il y a quelque chose qui va plus, en tout cas, qui nous est remis en question. C'est un peu une remise en question. Et du coup, comment on fait pour aller de l'avant et pour reprendre, pour continuer, pour en faire quand même quelque chose, quand même un tambour utilisable, et lui laisser sa cicatrice, parce qu'il aura toujours cette cicatrice cette marque-là, de là il était trop fin, il n'a pas tenu, ça a cassé, pas grave, bon, on a fait autrement et ça marche. Et pour la maillage, c'est un peu ce même principe aussi, parce que c'est du bois de noyer aussi, c'est la même essence de bois que le tambour. Et au niveau de sous la poignée en lapin, en peau de lapin, il y avait une trace de scie de tronçonneuse. Et du coup, j'ai voulu un peu cacher cette cicatrice pour en faire quelque chose de joli et quelque chose D'agréable. d'agréable, c'est ça. À la place d'une cicatrice, et ben, il a une poignée toute douce. Et... Voilà. Donc ça pour la petite, la sa petite histoire de fabrication. Et il y a Marion qui demande, dit intéressant, donc on peut acheter celui-là. Alors celui-là, oui, celui-là est à vendre. Alors le tambour est à vendre 400 €. 400 € lui-même, et la maillage, on est à 30 € la maillage. Donc ils sont à vendre ensemble ou séparément ou peu importe. Mais bien sûr, il est à vendre. Il attend son gardien. C'est aussi du coup un des premiers tambours que tu as emmené justement parce que donc on a créé donc l'acte 4 qui est pour moi l'accomplissement en fait du chemin en tout cas que vous faites avec moi. Pour moi voilà le tambour c'est vraiment déjà la concrétisation de votre accomplissement et du coup c'est aussi la nouveauté sur quoi vous avez été appelé donc avec Annelle parce que vous êtes C'est aussi ça. deux à construire ces tambours. Et Bien sûr. un des premiers aussi que tu as fait toi, au final. Bah le premier que j'ai fait, moi, c'est le mien. C'est le premier qu'on a sorti de l'atelier. Et celui-là, oui, c'est le premier que j'ai fait pour quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que pendant le stage, j'ai eu cette envie-là de pouvoir proposer des tambours et de pouvoir les vendre, les créer moi et les vendre derrière. Parce que c'est pas toujours facile, pas toujours l'envie de créer son propre tambour. Pour certains, c'est le cas, mais pour d'autres, c'est pas le cas. Et oui, comme je fais les attrape-rêves, j'avais envie de faire les tambours. Donc, on a discuté avec Annel, et c'est quelque chose que lui aussi avait envie. Donc, on a lancé ce projet-là. Et à l'occasion du stand que j'avais là, début septembre, on a dit on en fait quelques-uns, on voit ce que ça donne. Et c'était leur première sortie, en effet, c'était la première sortie de nos tambours. La première fois qu'on les montrait et qu'on les proposait à la vente. Donc ouais, il y a quand même cet élan de nouveaux projets entre guillemets qui se lance aussi quoi. Enfin, c'est rigolo comme ça peut ça nous donne bien le thème quand même, hein? Il Franchement. y a C'est ce fou côté-là ça. de nouveaux projets, et en même temps, pour moi, c'est une période où c'est pas évident, où j'arrive pas à, où j'ai beaucoup de mal à trouver la motivation de faire quelque chose et d'avancer, de trouver un objectif.
Donc c'est le là aujourd'hui, ce qui m'est demandé, c'est de me trouver un objectif, de me trouver quelque chose qui puisse me permettre d'avancer, d'écrire ce chemin et puis ensuite de tracer. Si j'ai pas l'envie, si j'ai pas la motivation, et ben le chemin il se tracera pas et je ne pourrai pas y aller. Je crois que c'est le gros message qui m'est donné là depuis la création de ce tambour d'ailleurs. Bah, le Mais chevreuil, j'étais un peu stressée. ça reste un petit peu cette énergie d'élan. Donc c'est complètement cohérent en tout cas dans ce qu'on. Eh, on Voilà. est pas mal, hein, sur un premier acte, cycle, tout va bien. Bien rapport, Bien. en tout cas. On a le même animal. Déjà pas mal. Et puis Et la puis même dans la même. symbolique. Dans la Bien sûr, symbolique, bien sûr. un tambour à cicatrices et une maillotche à cicatrices. Il y a et ce Dans le côté de ça, côté évidemment. cicatrice et ce côté nouveauté. La nouveauté du tressage, la nouveauté de ces nouveaux de faire des tambours, c'est nouveau de les présenter. Il y a ces deux côtés-là. Il y a des cicatrices, ok, on fait en sorte de les soit, enfin de faire qu'elles soient jolies, qu'elles soient vivables. Mais pour autant, à côté de ça, on innove et on lance des choses, on lance des projets. Ce projet-là des animaux des 13 lunes, c'est pareil. C'est nouveau, c'est un lancement. Donc c'est un peu cette énergie de lancement. Il y a des cicatrices, ok, on fait en sorte qu'elles soient vivables et ensuite on lance pour la suite, quoi. Complètement. Voilà. C'est chouette. Bienvenue et ça va être cool, ça va être chouette. Promet, oui. Grave. Donc ouais, ça va être la suite au prochain épisode. Donc je pense que ça va être en tout cas intéressant, même si on ne sait jamais ce qu'on va venir en tout cas rencontrer lors de cette période de plein de lune. Mais en tout cas, déjà, on voit quel animal accompagne pour nous donner justement cet élan et cette motivation pour qu'on puisse traverser ce qu'on va avoir en tout cas à traverser. Et ouais, je pense que ça va être beau, beau. Ça va être sympa et ça va être beau. Laura, elle sourit. Je te vois flou, mais je vois que tu souris. Voilà, c'est vrai que c'est mes Flou? garçons. La qualité est hyper dégradée quand Ouais. C'est dommage. Ah ouais, mais les tambours, ouais. même. D'ailleurs, il s'est fait une petite coupe, ton tambour. On va être hors contexte. On va devoir arrêter parce que sinon, on va papoter pendant des heures. Mais en tout cas, j'ai hâte de le réentendre. Ah bah, ça en dépôt de sa mère. Hein. Voilà. J'étais préparée en sous-marin pour l'acte 3, Oui, voilà. fait. Ça aussi, ça va dépoter sa mère. Un Marion! Arrête, elle va flipper après. Mais non. Bon, bah, c'est, ouais, je suis trop contente. En tout cas, j'en profite pour vous remercier les filles de me suivre dans mes folies, dans mes conneries. On n'a pas trop le Et, choix, donc on y va. c'est ça les copains. Voilà, ce que j'avoue que je peux être un peu dirigeante quand je m'y mets et surtout quand je suis obstinée sur une idée. Mais voilà, je vous remercie vraiment de me suivre dans ce truc-là parce que je pense que ça va être méga chouette et ça serait pas possible sans vous trois. Donc ouais, je vous remercie vraiment vraiment pour ça. Avec plaisir. Yeah. On va swinguer le rock et pour le tambour, trop j'aimerais, mais je vais demander au loto. En tout cas, si tu es appelé par un tambour, tu le sauras vite. Oui. Tu le sauras très vite. Voilà. Il y a toujours deux façons de faire, comme disait Méline. Soit c'est quelqu'un qui te le crée. Moi, pour le coup, je suis passée par là parce que je me sentais absolument pas légitime à l'époque de le fabriquer. Soit, eh ben, faut attendre l'acte 4. Et tu pourras éventuellement donc construire ton tambour avec l'aide de Méline et Anaël.
On peut mettre des poils d'éléphant dans la manioche. Bah, si tu as des poils d'éléphant, sans souci. Si tu en as suffisamment pour faire une grosse boule, bah, apporte tes poils d'éléphant et puis on mettra les poils d'éléphant dans la manioche. Non, tu peux Mais tu aussi peux mélanger tes avoir poils d'éléphant avec un autre type de poils. Hein. Tu peux mettre un... Moi, le plus plusieurs. gros, c'est du daim. Et après, dedans, il y a un tout petit peu de poil de mon chat. Un tout petit peu. Ben ouais, c'est des beaux voyages. En tout cas, merci pour ce beau voyage qu'on a fait, pour ces belles connexions, pour ces belles. Bah voilà, si on se regroupe en tout cas ce soir et dans cet élément-là, c'est pas pour rien. Pareil de monde. Et je vous remercie en tout cas d'avance sur l'aventure qu'on va suivre ensemble. C'est pour ça qu'on essayera toujours de toute façon garder un live comme on fait là pour rester le plus accessible possible parce que c'est à mes yeux en tout cas important et pour ceux en tout cas qui voudront aller plus loin, eh ben n'hésitez pas, on va tout vous donner en tout cas les informations nécessaires pour qu'on puisse donc justement se retrouver sur un espace un peu plus intimiste pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent nous rejoindre en tout cas. Bienvenue. Un petit mot de la fin, les filles. On a tout dit. On vous tiendra au courant de toutes les informations, les précisions par rapport à ça. Et puis voilà, moi j'ai noté les énergies du mois, là, ce que Viviane a expérimenté, pour vous retranscrire ça de manière peut-être sous forme de poste ou réel. Enfin, on va voir comment on bidouille ça. Mais voilà. Et sinon, bah, pour ceux qui sont intéressés, on se retrouve à la pleine lune pour vous faire voyager, pour aller à la rencontre de vos potentiels via les animaux par rapport à ce cycle lunaire-là. Voilà. Méline, un petit mot de la fin. Pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Moi, j'ai hâte de continuer C'est et de ça. retrouver tout le monde à la pleine lune, à la prochaine pleine lune. Et de voir ce qui va sortir pour la suite. Parce qu'on s'est lancé là-dedans, mais concrètement, moi, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va mener. Donc, c'est Nous vraiment non plus. l'expérience. C'est ce qui est super cool. C'est Non, mais on ça, expérimente et puis on voit ce que ça donne. faut pas dire qu'on sait pas. Mais si, Bah, on sait comment y aller. Après, on sait pas ce qu'on va voir. c'est clair. On ne sait pas Hein? ce que. C'est Oh, trop c'est beau. moi, je sais comment vous emmener. Hein. Vous inquiétez pas. Je sais comment vous ramener aussi. Important aussi. Bon, Viviane, t'es prête? J'ai bien Ok. hâte. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ceux qui ont été présents. Merci pour ceux qui seront là en tout cas pour l'instant pour le replay. Mais on va essayer de vous trouver une meilleure façon en tout cas pour que vous ayez les informations et que ça soit agréable, que ça soit à écouter et à regarder parce qu'on comprend bien en tout cas qu'Instagram a ses limites. Mais en tout cas, on mettra le maximum pour vous puissiez que vous ayez justement les informations et les énergies qu'on a pu connecter avec vous ce soir. Et de toute façon, restez par là parce qu'on va vous donner plein d'infos par la suite. Merci les filles, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bye. Ciao, ciao!